Oh, oh. Ah, ah, er. Oh. Oh, chacun son tour. Salut tout le monde, c'est Akilu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de l'épisode 2 de Dishonored. Après la découverte, on commence vraiment le playthrough. Donc c'est parti, je m'étais arrêté juste à côté de ce garde. Je lui ai dérobé sa clé et je vais le balancer, hein, je vais pas me gêner. Hop, hop. Oh, ça c'est fait, c'est bien foutu. J'ai toujours le petit problème d'aliasing, mais faites pas attention. Attention. Entrée de la passerelle. L'exécution de demain est réservée au personnel affecté à cet événement et aux militaires autorisés. Il y a quelqu'un, mesdames et messieurs. Monsieur, regardez derrière vous. Les animations sont bien foutues, mais je les trouve un peu trop rapides, je sais pas. J'apprécierais plus si c'était au ralenti plutôt qu'accéléré. Mais c'est bien stylé. C'est bien stylé, les exécutions. Est-ce qu'il y a des ennemis ici? Non, il n'y a pas d'ennemis. Si je me rappelle bien, il n'y a pas d'ennemis. Je vous avais dit que j'avais joué pendant une petite heure, donc je sais un peu ce qui va se passer. Je vais vous spoiler. Non, je déconne. Il n'y a pas de loot aux alentours. Par là, c'est bon. Et regardez à travers la serrure. Hop, c'est bon. Salle d'interrogatoire. Entrez dans la salle d'interrogatoire et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ah oui, les explosifs. On va prendre les explosifs et on va tout faire péter. Voilà le coffre. J'aurais bien aimé une petite combinaison pour nous faire chier, mais il n'y en a pas. Les épreuves d'aptitude. Dès que quelqu'un fait preuve des débats, il est marqué, des superviseurs sont désignés pour étudier le sujet discrètement afin de déterminer si ses prédispositions sont confirmées par les conditions cosmiques et aux autres signes observés au cours de l'année. À la fin du cycle, ils réussissent le test à leur foyer, blablabla. Préparation rituelle avec une élévation, d'accord. Parfait, monsieur, tout à fait. Donc, je peux pas le prendre, je peux juste le lire. La bouteille de Jack, on peut pas la prendre non plus. C'est bon. Couloir de la salle de commande. Faut vraiment pas rush dans ce jeu parce qu'il y a pas mal de loot un peu partout, regardez. Rapport de l'officier de garde. Corvo Atano, anciennement protecteur royal, va être amené ici pour être interrogé. Cette affaire est de la plus haute importance. Lord Régent et le grand superviseur Campbell conduiront l'interrogatoire en personne. Suivez leurs ordres à la lettre et gardez leur tourment... Non, gardez leur tourmenteur sous contrôle. Si Corvo meurt de sa main, au lieu de l'exécution publique souhaitée par le grand, c'est votre tête qu'on tranchera. D'accord, soit alors. Et ça c'est le grand... Le maître espion, ou je sais pas comment il s'appelle, là, le connard. Lui qui a organisé tout le complot. Merde! C'était quoi? Non, non! Non, je suis pas là. Connard. Venez! Ah. Oh, waouh! Oh, putain. Oh, c'est mignon. Je peux pas prendre la tête? Oh, je vais... Oh, mon Dieu, c'est beau. Oh, c'est beau, ça. Ah, ça va me servir de diversion. Ah, c'est mignon. J'aime bien sa tête à lui. Ok, c'est bon. On va la prendre. Et ça va être notre porte-bonheur pour ce playthrough. Corvo doit être exécuté demain. Ouais. Ah, ils s'en bat les couilles. Monsieur, il y a une tête à vos pieds. Monsieur, il y a une tête à vos pieds. Ah, non, j'ai pas de balle. Oh, oh. Ah, ah, oh, oh, chacun son tour. Jette-toi sur lui. Jette-toi sur moi. Oh, doucement. Connard. Oh, doucement. Oh, doucement. Connard. Connard. Oh, ça va, lui aussi j'ai sa tête. Non mais oh. Oh, et pour qu'ils se prennent les mecs. Oh mais je vous jure c'est des frères jumeaux, regardez. Regardez. C'est des jumeaux.
C'est des jumeaux. Attention. Ah non, c'est pas des jumeaux. L'accès à l'aile d'isolement est interdit. On peut jouer avec. Oh, c'est mignon. Ils ont des têtes en acier. J'espère qu'il n'y a pas de petits enfants qui regardent les vidéos. Je vais pas me sentir coupable. Une semaine à l'avance. Oh, j'ai claqué toutes mes barres de soins. Ça, c'est bon. J'ai 2 balles. Bon, la première fois, je l'avais fait en furtif sans jamais me faire repérer, peut-être par une personne. Mais là, c'est parce que j'ai... Voilà, quoi. Vous avez compris. C'est bon, c'est pas grave, me faites pas chier. Il n'y a pas que de l'infiltration dans ce jeu. Hop, ça, je l'ai pris. Voilà, je suis full PV, j'ai 4 balles. Et, Ah, viens. On va vous aider dans l'action. Ah, comment je l'ai... Quoi? Vous venez de déséquilibrer votre ennemi en bloquant au bon moment. Ok, attaque fatale. Attaque fatale. Ah, attaque fatale, on a dit. Ah, je l'ai encore déséquilibré. Oh, une troisième tête. OMG. Une troisième tête pour la collection. Oh, lui, il est mignon. Donc, en gros, si vous parez au bon moment, attention, juste quand il attaque un peu comme Assassin's Creed, vous renvoyez l'ennemi en arrière. Oh, je vais faire une collection de têtes, moi. Pensez que c'est bon de teabag un mec sans tête. Non, c'est plus très utile en fait. Non. Portail du bagne. On va prendre les explosifs. On va placer les explosifs. Je me barre. 7 secondes. On va quand même regarder l'explosion en fait. Pas chier. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Je me rappelle. Est-ce qu'il y a des ennemis? Ouais, il y a des ennemis. Et. Je suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis que de passage, mesdames et messieurs. On peut nager, regardez-moi ça, c'est stylé. Ils m'ont pas encore vu. Eh hey, oh, je suis là. Eh hey. Eh hey. Oh putain, je me casse. Non, c'est bon, je m'en vais. Oh, comment je l'ai renvoyé en arrière, le pauvre. Allez, on y va. On est dans les égouts. Ah, oh, il me tire encore dessus, c'est bon, je suis pas là. Eh hey. Prison break réussi, allez dans les égouts. Ah là là, égout de Dunwall. Et il est... J'aime bien ce jeu. Bien nerveux, bien dynamique. On est parti. Il y a un petit rat ici. Bonjour. Attends, attends. Merde, il y a des ennemis, il faut que je fasse gaffe. Est-ce qu'il y a des loot aux alentours? Une lettre. Corvo, si vous lisez ceci, cela signifie que notre plan a fonctionné, que vous êtes échappé de Coldridge. Un de nos contacts cachait des armes pour vous quelque part dans les égouts. Récupérez le matériel et trouvez Samuel, à l'endroit où ces tunnels se jettent dans le fleuve. Il vous amènera jusqu'à nous. Bon, d'accord. Un ami que vous rencontrerez bientôt. Bon, bah, on rencontrera bientôt. Je suppose que c'est pas lui, Samuel. Hop, la porte est fermée. Hein. Je ne me demandais pas comment je... Oh, putain, les rats, merde. Ah, je vais les écorcher. Ah, la rage que vous pouvez pas me toucher. Hein. Je vous rappelle qu'il y a une infection de rats. Je vous jure, si ces rats me chopent, je suis cuit. Vous verrez de quoi ils sont capables. Je parle pas, je n'ai aucun commentaire. J'espère que c'est moi qui le trouverai. Ça, je l'espère aussi. Regardez les rats. Attendez, je vais vous aider, les rats. Putain, je vais pas les tuer. Regardez-moi ça, si c'est pas dégueulasse. Si c'est pas bien beau, ils seront entièrement bouffés. Donc j'ai pas intérêt à me trouver en bas. Putain, ils les ont bouffés, mais... Mais vraiment, ils vont rien laisser, regardez-moi ça. Putain. C'est bon. Il reste juste les épées. Vous voulez pas bouffer les épées aussi? Pissez leur dessus, comme ça vous allez les désintégrer, les bouffer. Messieurs les rats, je suis pas là. Et on se casse. Je devrais trouver mon matos dans pas longtemps. Normalement, matériel caché à 112 mètres quand même. Maintenir F pour porter. Ah merde. Oh non. Oh. Oh les rats, ça va? Oh putain, ils sont ouf. Moi, je suis pas là. Faites comme si que j'étais pas là. Faites comme si que j'étais pas là, bande de con. Ah! Je vais essayer de tous les buter, voir si c'est possible. Oh, je les ai tous hachés, mesdames et messieurs. Ouah, je les ai tous butés, je pensais pas que c'était possible. Ah, la première fois, je me rappelle, j'avais fait ça. Ah, en sautant, on nage. Vu que les rats peuvent pas nager.
On a d'ailleurs une barre de respiration pour l'apnée. Et on monte. Qu'est-ce qu'on a ici? Un cadavre bloque l'ouverture. Ah bah il va plus la bloquer pour longtemps, je vous le garantis. Ça c'est fait. Et on va ouvrir ça. Allez. Qu'est-ce qu'il y a aux alentours? Rien, faut vraiment pas rusher. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Espace pour monter. Oh, pas mal de loot là. Ça m'a permis de regagner un peu de vie. Bouteille vide. Alors là, il va y avoir une petite énigme, si je me rappelle bien, que j'avais raté au début parce que je m'étais trop précipité. Oh non, pas encore ici. Oh non. On n'est pas censé charger les cadavres sur les chariots qui vont au quartier inondé? Si, mais c'est trop loin. Et je sais pas toi, mais moi je veux pas choper la peste, tu vois. Ben, on n'est pas protégé par l'élixir? Qui sait? En tout cas, balançons-les ici, les rats les bouffes. Balançons-les ici, les rats les bouffes. Ça, c'est fait. Donc je vais essayer de pas trop descendre parce que je risque de me faire bouffer vite fait, bien fait. Allez, on s'en fout, c'est que des rats après tout. Voilà, ça c'est fait. Hop. Et est-ce qu'on peut les fouiller? Non, ils ont que dalle. Ce qu'on peut faire par contre, c'est faire comme dans Amnesia, c'est-à-dire choper les cadavres et à table les enfants. Bouffez-les. Moi je vais ouvrir ça. Ah merde! Oh, c'est pas moi! Putain, mais ils sont chiants! Pourquoi ils me bouffent? Putain, faut que je balance les cadavres loin. Allez-y! Vous avez des cadavres? Deux cadavres! Ils ont foiré. Non! Putain, ils viennent sur moi! Putain! Oh, c'est quoi votre délire, les rats là? Allez, bouffer les cadavres! Putain, ils veulent pas bouffer les cadavres! Vous pensez que je peux les ramasser? Attendez. Voilà. Allez là-bas. C'est ça, bouffez-le. Allez, on se casse. Il reste encore un rat. J'espère qu'il va pas me faire chier. C'est bon, allez, je me casse, je me tire d'ici. Y a rien. Oh putain, ils sont chiants ces rats. Je sais pas, je. Attention, citoyen de moi. L'assassin Corvo, coupable du meurtre de notre impératrice bien-aimée et de l'enlèvement de Lady Emily, qui est le tien du trône, s'est temporairement soustrait à sa détention. Paye tes mythos. Il a assassiné l'impératrice. On va monter ici. Et je devrais bientôt récupérer mon matériel, vous allez voir, c'est bien sympa. Par contre, ce que j'ai toujours pas vu, c'est les sorts, les pouvoirs. Je suis vraiment pas allé plus loin qu'ici. Je me suis arrêté à peu près 5 minutes après là et je me demande ce qui va se passer ensuite. Juste à mon arrivée à Dunwall, je me suis arrêté quoi, dans la ville. Je me suis arrêté quand j'ai rencontré Samuel. Bouteille vide. Faut bien observer ici parce que vous allez... Oh, la saloperie de... Faut bien observer ici parce que vous allez voir qu'il y a des pièges. Putain, j'avais complètement zappé ce piège là. Je pensais juste qu'il y avait celui-là. Regardez les enfants, vous voyez la petite bouteille là-bas? Elle est là pour nous piéger. Elle va tirer ici. Du coup, je vais désarmer le fil. On peut le désarmer, le fil. Haha, fail. Voilà. Ah, la première fois, je me rappelle comment je me suis pris. Hop, ça c'est fait. Et la bouteille vide. Il n'y a rien dans la bouteille vide. Ça c'est quoi? 50 pièces d'or. Oh, c'est pas mal. Ça fait de la thune, quoi. For rent. F, j'ai ramassé des carreaux incendiaires pour l'arbalète pour plus tard, en fait pour tout de suite, vous allez voir. Et je vais récupérer mon nouveau matériel. Faut faire gaffe au fil, vraiment pas bien caché, mais que je me prends quand même. Bourse ramassée. Et une note. Salutations Corvo, ou devrais-je dire protecteur, comment vous appelez quand on vous a retiré injustement ce titre? Nous sommes des serviteurs de l'Empire et de la véritable impératrice, un groupe de fidèles souhaitant ardemment vous rencontrer. Prenez ces armes, elles ont été fabriquées pour vous avec les meilleurs matériaux des îles, puis allez voir Samuel, l'un de nos hommes qui se trouve près de l'endroit où ces tunnels se déversent sur le Renaven. Ne traînez pas et bonne chance, nous partageons une cause commune. Oui monsieur, donc voici mon équipement. Moi j'aime bien quand ils parlent de la lettre, on a préparé cet équipement spécialement pour vous. Ah mais non, en fait, il y a deux armes. Oui, je suis d'accord avec eux. Regardez-moi ça.
Je vais être complètement badass avec cette arbalète et cette épée complètement stylée. Ah, si ça c'est pas la classe. Voilà, j'ai mon arbalète. Bon, on va pas claquer les carreaux maintenant. À ce que j'ai vu, il y a les carreaux normaux, les fléchés, enfin les carreaux classiques. Il y a les carreaux incendiaires et il y a les carreaux létales, ceux qui font juste assommer la cible. Maintenant, ici c'est bon, il n'y a plus rien. No dumping allowed, bien sûr monsieur. Fouiller le cadavre, 10 pièces d'or. Pas de soucis, je sais pas pourquoi quand on fouille le cadavre, il sursaute. Genre le mec il est encore en vie. Allez hop, ça c'est fait. Et par où est-ce qu'il faut que je passe déjà? Je vois pas d'issue ici. Ah, il y a une porte, autant pour moi. Paye tes aveugles. Clé pour la porte. Ouais, j'ai utilisé la clé. Et ici on a un piège, ils viennent de où? Ils viennent de là-bas. Merde, ça m'a touché quand même. C'est quoi ces bruits de pas que j'entends? C'est louche. Je vais prendre les... Faut toujours prendre les carreaux incendiaires. Je sais pas comment switch entre les carreaux, faudra que je regarde la touche. Hop, par là. Ah oui, c'est ici dans le... Allez, monte. Par où est-ce que je peux monter? Il y a une énigme assez chiante ici. Voilà. Non. Merde, je veux pas. C'est bon. Alors, on a une note ici. Au cas où tu serais trop bête pour t'en souvenir, regarde ton whisky, t'auras la réponse. Whisky, compris? Si tu veux ta part, tu trouveras. Sinon, je reviendrai le mois prochain. Il faut qu'on regarde le whisky. Normalement, moi ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une bouteille de whisky avec le code. Le code pourquoi? Vous allez me dire le code pour ça. Pour ce coffre. Pour faire le code ici. Whisky, whisky, whisky. Moi je sais pas c'est quoi le code du whisky. Donc faut qu'on trouve une bouteille de whisky, mesdames et messieurs. Lors du premier épisode, je l'avais un peu cherché en vain. J'avais trouvé des bouteilles, mais je les avais cassées. Whisky, whisky. C'est quoi ça, whisky? Qu'est-ce que ça pourrait être, whisky? Regarde ton whisky. Peut-être tout simplement le code qui est marqué dans une bouteille de whisky qu'il faut trouver, quoi. Il est peut-être ici en arrière. Vu que le mec n'a pas ramassé son loot, je pense qu'il est mort. Ça, c'est fait. On ramasse tout ça. Faut que je trouve une bouteille de whisky. C'est peut-être lui, non? Ah, à côté de lui, il y a une bouteille. Cliquez sur F pour lancer des objets. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est des bouteilles vides, c'est pas des bouteilles de... Putain, je l'ai cassé. C'est des bouteilles vides, pas des bouteilles de whisky. C'est toi qui avais la bouteille de whisky. Elle est où? Bon, je pense pas qu'il risque de me répondre, mais... Voilà, quoi. Ici non plus, il n'y a pas de code. Il n'y a que dalle, hein. Je vois pas de bouteille de whisky, moi. Donc, faudra que j'y retourne. On va voir ici ce qu'il y a. Hop. Hop. Et regarde ton whisky. Mais qu'est-ce que tu veux que je regarde mon whisky? Ça, c'est pas prenable. Ah, ici, peut-être que j'avais laissé une bouteille. Non, c'est des bouteilles classiques. Je vois pas de bouteille de whisky spécialement. On peut monter ici. Ça, c'est fait. Peut-être que c'est sur le toit. Non, même pas, y'a que dalle. Y'a que dalle, je sais pas où trouver cette foutue bouteille de whisky, donc je pense qu'on va pas faire... je vais pas pouvoir résoudre l'énigme. C'est juste que je vais pas y passer la journée, quoi, à côté de ce coffre. Je regarderai après la vidéo le moyen d'ouvrir le coffre. Combinaison requise, tout à fait, monsieur. On va essayer d'avancer, peut-être qu'on va croiser une bouteille de whisky. Je suis sûr qu'elle était juste quelque part ici et que je l'ai ratée. Je te laisserai pas filer, chef. Parce que tu crois que tu fais le poids? Seul face à lui, t'as aucune chance. Ah, là on est d'accord. Je fais quoi s'il y a personne d'autre dans le coin? Essaie de faire du raflu en mourant. Et tomber un truc si possible. Crevard. Alors, on a un ennemi ici. Ouais, on a un ennemi. Donc il y a vraiment pas de bouteille de whisky, il y a un verre. Ça sent le génial crever là-dedans. C'est bon. Bon ben, tant pis pour le coffre, j'ai envie de dire. Vous imaginez si elle est là la bouteille, y a pas moyen de remonter, hein. Il est où l'ennemi? Eh, hey, viens, viens, que je fasse une attaque sautée sur ta gueule. Vous allez voir, les attaques sautées, c'est... Oh, il est en train de... Eh, hey, monsieur, pissez pas comme ça devant moi. Étonnant. Oh. Il y en a qui viennent mourir ici. Oh. C'est quoi? Tu pisses pas à côté de moi comme ça. Oh, mais oh. What's up? Ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'allais dire? On peut aussi... J'aurais pu aussi tirer à l'arbalète, mais je vais pas le faire tout de suite. L'arbalète, l'utilisons-la quand c'est nécessaire. Pas juste pour le style. Hop, j'ai remonté un peu de vie.
Je vous l'avais peut-être pas précisé, mais je suis en difficulté difficile. Merde, il m'a spot un peu. Il se passe ça, j'espère que c'est pas une... Foutre. Je vous trouverai, espèce de mixine. On va vous avoir. Tu vas avoir que dalle. Merde. Surveilleur. Ah, aveugle. C'est quoi le mec, il est invincible. Ah, il m'a esquivé. C'est bon. Je voulais lui faire un petit headshot. Oh, le mec, c'est bon, il lui faut 3 carreaux. L'arbalète a 2 balles. Il me reste juste 2 carreaux en plus. Hein. Ça c'est fait. Ça c'est bon. Je bouffe et on est parti. Quand on est hors d'Athènes, vous avez vu, les ennemis nous balancent des projectiles. Tout ce qui leur tombe sous la main, genre des petits cailloux, des verres, quoi que ce soit. Bon, ça fait pas très mal, mais ça nous fait tomber quand on est sur une corniche ou quoi. Samuel est à 62 mètres. Oh, c'est le tramway, ça. Votre attention, citoyen de Denois. L'assassin Corvo, coupable du meurtre de notre impératrice bien-aimée et de l'enlèvement... Coupable du meurtre... Je m'appelle Samuel. Et je travaille pour des gens bien qui aimeraient beaucoup vous rencontrer. Ils ont dit que je vous trouverais là, mais j'ai encore du mal à y croire. Je vais vous conduire à eux. Oh, c'est pas loin d'ici, par le fleuve. Attendez, j'ai quelque chose à faire avant. Si vous avez affaire, je reste ici. Mais ne tardez pas trop. Bon, eh bien, ça, c'est notre ticket pour Dunwall, enfin, pour le centre-ville, du moins. Donc, ce sera au prochain épisode. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Pas comme le premier, hein, vu le nombre de pouces bleus et le nombre de commentaires. Vous n'avez pas été très nombreux à apprécier le jeu ou la vidéo ou je sais pas quoi. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde qui était chaud pour la série. Mais elle y sera quand même, hein, peu importe, même si vous aimez pas, même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde. Donc voilà, c'était Akilou et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Est-ce que je peux le tuer, lui? Attendez, je vais juste sauvegarder avant. Sauvegarder. Ça, c'est fait. Monsieur, est-ce que vous pouvez mourir? Reprenez vos esprits. Ouh, je m'y attendais vraiment pas, j'ai perdu la partie. Bon, et eh bien voilà, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao tout le monde.